Après la fuite de son journal intime vidéo, Hortense va voir sa vie virée au cauchemar dans Ici tout commence. Catherine David-Zeka s'est confiée à notre micro sur ce qui attend son personnage au cours des prochains épisodes du feuilleton de TF1. Allociné, Hortense est un personnage très apprécié du public, notamment pour sa personnalité haute en couleur et ses mimiques. Avez-vous carte blanche dans l'interprétation de votre personnage? Catherine David-Zeka, oui. C'est moi qui crée les scènes en tout cas, rire. Hortense a également droit à des petites punchlines assez drôles. Vous arrive-t-il de participer à leur écriture? L'écriture ce n'est pas moi. Par contre, il arrive parfois que l'on fasse des petites impros qui sont retenues ou non par la suite. Il arrive donc que cela vienne de moi, mais la plupart du temps ça vient quand même de l'écriture. Après l'intrigue Sugar Daddy, les scénaristes d'Ici tout commence ont décidé de creuser un peu plus l'histoire de votre personnage avec une toute nouvelle arche qui a débuté cette semaine sur TF1. Avez-vous été surprise à la lecture du scénario? Surprise non. Très contente oui, parce que c'est une grosse responsabilité de par le sujet qu'elle aborde. C'est un sujet qui est assez lourd et qui demande pas mal de sincérité ainsi que beaucoup de contraste. C'est un sujet qui nécessite aussi de faire appel à la compassion du public. Quand j'ai lu le scénario, j'ai vu le travail qui se présentait devant moi et la confiance accordée par les auteurs. J'étais très contente de lire ça et l'histoire d'Hortense. Sarah Faramand, la productrice de la série, a récemment déclaré qu'on allait découvrir la face sombre d'Hortense. Pouvez-vous nous teaser cette intrigue à venir et nous dire ce qui attend votre personnage au cours des prochains épisodes de la série? Avec toute cette histoire de Pâques, Hortense a eu une sorte de débordement de soi. Une espèce d'excès de colère ou de rage. Tom Darmon, et Kelly, Axel Dodier, vont finir par découvrir qu'Hortense se filme. Elle fait une espèce de journal intime des temps modernes. Elle n'écrit pas, elle se filme en fait. Ce sont des vidéos qui ont vocation à rester pour elle comme un journal intime basique et qui ne sont pas du tout destinées à être divulguées. Sauf que Tom va se faire un plaisir d'envoyer ses vidéos par vengeance à tout le monde. Et ça va créer pas mal de soucis. Il faut dire que dans ses vidéos, Hortense dévoile les secrets les plus honteux de ses camarades. On imagine en effet qu'elle va se faire beaucoup d'ennemis à l'institut. Ce n'est pas tant qu'elle crache sur tout le monde. Elle se confie tout simplement. Hortense n'est pas méchante. Ce n'est pas de la méchanceté. Ce sont des interrogations, des constatations et un exutoire. Parfois, il s'agit juste de crises de colère. Comme elle n'arrive peut-être pas à les gérer comme il faut, elle trouve un moyen de se canaliser avec ce journal intime. Quand on écrit qu'on déteste sa mère dans son journal, cela ne veut pas dire qu'on la déteste vraiment. C'est juste quelque chose sur le moment. C'est pour ça que ce n'est pas voué à être montré. Tout simplement parce que ce sont des instants de vie et des choses dans lesquelles n'importe qui peut se reconnaître. Ce n'est jamais méchant ni mal intentionné.
Ce sont juste des questionnements qui peuvent parfois être proches de la vérité et qui peuvent justement dérouter certaines personnes. Quand Hortense a défendu Ambre, Claire Romain, par rapport à Tom, c'était à cause de son trauma personnel avec Hugues. Elle a vu en lui une espèce de fantôme d'Hugues. Elle a vu un passé qui revenait et un homme qui manipulait des femmes. Ça l'a mise dans un état de doute et de mal-être qui l'a donc poussée à prendre parti pour Ambre. Avec ses vidéos, Tom va lui faire payer le fait que sa copine l'ait quitté. On peut dire que la guerre est déclarée entre Tom et Hortense. Tom n'est pas au courant du mal plus profond qui habite Hortense et il va essayer de pousser toujours plus loin pour qu'elle craque, qu'elle ne sente mal. Tom n'a pas de limite avec elle. Greg, Michael Mittelstadt, et Elliot, Nicolas Anselmo, vont être les premières victimes de cette vengeance. Sachant qu'Elliot et Hortense sont très proches, cette histoire ne risque-t-elle pas de créer de la discorde dans leur amitié? Tout à fait. Ça va casser quelque chose malheureusement. Hortense tentera de lui expliquer que ses vidéos n'étaient pas vouées à être montrées, mais le souci c'est qu'Elliot ne lui pardonnera pas parce que son couple vacille. Il ne verra pas le problème de fond d'Hortense et ne cherchera pas à creuser plus loin. Elliot va abandonner Hortense dans l'un des pires moments de sa vie. Sur qui va-t-elle pouvoir compter dans cette épreuve? Elle va pouvoir compter sur Célia, Rebecca Benhamour, qui, envers et contre tous, va essayer de comprendre et de la soutenir. Comme une amie en fait. En remarquant que quelque chose ne va pas, elle va vraiment soutenir Hortense et être d'un grand soutien. Et bien plus tard, ce sera la chef Guino, Catherine Marshall. She